problème. Ah bon, j'ai. On l'a fait. Non. Christ est mon cher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête, même si la tempête fait rage au plus fort de l'orage. Si mon cœur est timide, mesdames et messieurs, chères familles, amis, frères et sœurs, j'aurais pu dire cet après-midi que vous avez l'habitude. J'aurais pu le dire. C'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Et on ne peut jamais s'habituer à la mort. On ne peut jamais s'habituer à la mort. Et surtout si c'est la mort d'un proche. Même si il y avait plusieurs d'une même famille qui mouraient en même temps ou l'un après l'autre successivement, chaque personne est différente. Et à chaque fois, il faut faire un deuil. Il faut faire un deuil pour chaque individu de la famille. Donc j'imagine que cet après-midi, même si vous êtes là, vous êtes courageux, vous êtes fort. Mais dans votre cœur, ça ne va pas. Et il faut l'admettre. Il faut admettre que nous sommes des humains. Et parce que nous sommes des humains, bien, ce que Dieu avait dit au départ s'applique pour tout humain. Ce que nous aurions voulu empêcher, nous ne le pouvons pas. Votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère a vécu longtemps, très longtemps, mais malheureusement. Il a fallu qu'elle s'en aille, qu'elle aille s'endormir jusqu'au retour de Jésus. Et aujourd'hui, vous vous trouvez dans une position d'orphelin. C'est une réalité. Parce que lorsqu'on n'a plus de parents vivants, on devient orphelin. Mais Jésus a une parole qui fortifie tous les orphelins. Cette parole se trouve dans Jean chapitre 14. Et il dit ceci. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et ce qu'il dit un peu plus haut,
c'est qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et je vous donnerai un autre consolateur. Le Christ veut que ses enfants soient consolés. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, Ésaïe parle aussi de Christ. Mais lorsque le Christ part, il dit, je ne vous laisserai pas sans consolateur. Je vous donnerai le consolateur des consolateurs, celui qui sera tout le temps avec vous. Et lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 28, ceci, il dit, je m'en vais, mais vous ne serez pas seul. Vous ne serez jamais seul. Et dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cet après-midi, ce que je veux vous dire, c'est que votre mère repose en paix, en attendant le retour de Jésus. Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce que le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il est là. Et il est là pour vous consoler. Il va vous donner des paroles que moi, je ne peux vous donner. Que Pasteur Uriti n'a pas pu vous donner, même si nous disons des paroles venant du Saint-Esprit, parce que c'est contenu dans la parole de Dieu. Mais le Consolateur parlera à vos cœurs pour vous consoler et pour mettre un baume sur vos cœurs. La douleur est là, elle est vive. Vous allez pleurer, c'est sûr. Quand vous passerez à la maison, vous remarquerez que maman n'est plus là, que mamie n'est plus là, que tati n'est plus là, que mamie popo n'est plus là. Eh bien, certainement, ça va vous faire mal. Mais rappelez-vous toujours que le Consolateur est là. Et c'est lui qui vous consolera. Mon vœu pour chacun d'entre nous cet après-midi, famille Polydor, et vous autres qui avez perdu un parent il n'y a pas si longtemps que cela, ou encore il y a déjà quelques années, vous qui sentez que vous n'êtes pas consolé, tournez-vous vers le grand Consolateur, celui qui donne un baume, celui qui sait soigner ceux qui sont dans la souffrance. Et il dit qu'il ne nous laissera pas dans la détresse. On sera épuisé, mais il sera là pour nous relever. Alors ce que je souhaite, c'est que nous puissions saisir cette promesse du Consolateur qui vient maintenant, pas demain, pas dans un moment, mais qui vient maintenant vous apporter la consolation. Saisissez cette promesse pour vous maintenant et Dieu marchera avec vous et vous dirigera et vous protégera dans sa volonté. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Et c'est ce que nous ferons, chers amis, juste avant de déposer la dépouille de notre bien-aimé dans le tombeau. Nous allons justement nous tourner vers ce Consolateur dont Ronnie a parlé. Je vous invite à tourner vos cœurs alors que je vais prier, demander à Dieu de passer dans cette assemblée, non seulement aujourd'hui, mais dans la suite des temps, pour vous apporter la consolation nécessaire. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi le Dieu de toute consolation, toi le Dieu de toute compassion, toi qui un jour, devant la mort de ton ami Lazare, pleura Jésus. Tu es en mesure de comprendre les larmes qui sont pour toi un langage compréhensif. Alors cet après-midi, Seigneur, nous nous prosternons devant toi, nous nous humilions devant toi et nous nous approchons de ton trône afin de te demander une nouvelle fois de condescendre et d'être le consolateur, d'être celui qui va passer un baume sur le cœur endolori de tes enfants, d'être celui qui va fortifier le courage, la foi de tes enfants, d'être celui qui va revigorer notre espérance afin qu'au-delà de ce moment, nous puissions déjà entendre et entrevoir Jésus qui revient pour nous donner la grande consolation de tous les siècles alors que pour toujours dans son royaume nous serons réunis. Que ta paix, que ta bénédiction, ta grâce repose sur tes enfants. Nous te l'avons demandé, Seigneur, humblement, mais avec confiance, avec foi, avec l'assurance que tu es au milieu de nous et que tu répands ta bénédiction sur tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen.
Dames, messieurs, chers parents, juste avant de déposer maman, mamie, mamie Popo, Tazi, Tazi pour d'autres, sur Polydor, juste avant de la déposer dans ce lieu où elle va se reposer, nous voulons, au nom de la famille, remercier tous ceux qui nous ont assistés cet après-midi. Merci pour tes fosses, la votre cabane. Merci de votre présence autour de nous. Nous avons ressenti vos mots. Nous avons ressenti vos regards. Nous avons ressenti vos sourires. Cela nous a fait du bien. Nous voulons vous dire combien votre présence nous a fait du bien. Merci au pasteur 16 pour ces mots, cette promesse qu'il nous révèle. Merci à pasteur Uguiti pour les mots qu'il a donnés. Je voudrais remercier tous ceux qui ont présenté des chants cet après-midi. Merci à toute l'équipe des vents funèbres, à nos chers collègues qui nous ont assistés depuis hier soir. Il y en avait, il y en a encore d'autres aujourd'hui. Merci de votre présence autour de nous. Cela nous fait du bien. Je pense que le moment est venu pour que maman aille se reposer. Mais juste avant, je voudrais vous dire que nous vous attendons après l'inhumation au centre funéraire Polydor pour que nous puissions prendre une petite collation ensemble. Vous continuerez à nous assister jusque-là, tous ceux qui pourront. Merci, merci de votre présence. Merci à tous. Je laisse les autres. Pour les bonnes de Cali. Pour les bonnes choses. Pour les bonnes choses. Pour les bonnes choses. Pour les bonnes choses. Pour oui, au revoir. Attends. Oui. On va bloquer là. Hein? Ah, c'est bon. Voilà. See you. Non, c'est bon, tu vois, on va. Non,
Oui, désolé, je n'ai pas réussi à gérer la pause. Non, ils ont tout enlevé. Non, mais pas des fleurs, non. Il va régner dans le ciel.